Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de mon envoi pour Maria. Alors, du coup, on a commencé par faire cette carte. J'ai fait cette carte. Et maintenant, je voudrais lui joindre un ticket bonheur. Alors, le ticket bonheur, c'est la chaîne de Sylvie Coletout-Partout qui l'a inventée, si je ne me trompe pas. Et donc, un ticket bonheur, il faut qu'il fasse 3,3 cm. Sur 8,8 cm. Ensuite, il faut qu'il soit cranté. Alors je vais tenter de réessayer ces ciseaux que j'ai déjà essayés et qui n'ont pas du tout été. Ah, dans ce papier, ça a l'air d'aller mieux. Je crois que je vais parler un peu vite. Il va vraiment falloir que j'investisse dans des ciseaux crantés un peu mieux que ça. Je dois pas aimer le papier épais. Hop, donc je crante un côté. Je crante. Après, je vais m'apercevoir qu'il y a de la colle dessus. Donc, est-ce que c'est pas à cause de ça aussi? C'est fort possible. Hop! Voilà pour ça. Ensuite, je vais faire un fond à l'aquarelle comme pour la carte. Du coup, je reprends mon petit plastique. Je reprends mes trois couleurs. Et je viens tout simplement mettre un peu de couleur. Je viens pchiter un peu d'eau et hop, je viens faire mon fond. Je veux pas forcément qu'il soit plein, un peu comme pour la carte, si vous avez vu la vidéo. Ensuite, je viens reprendre ces aquarelles-là. Et je viens tout simplement réutiliser les deux que j'ai utilisées pour la carte. Que je viens déposer voilà. Je viens nettoyer un peu mon pinceau. Et je viens tout simplement déposer de la peinture sur mon ticket bonheur. Je range tout de suite ça pour gagner de la place. Alors, ensuite, les autres choses qu'on doit faire sur ce ticket bonheur.
les autres obligations qu'il y a, enfin si on peut appeler ça des obligations, c'est qu'il y ait le mot bonheur décrit dessus. Donc moi, je me suis imprimé un petit mot bonheur. Je vais peut-être me remettre sur mon tapis vert que vous voyez bien. Donc, hop, voilà. Donc il faut le mot bonheur, il faut un trou. Du coup, ma crocodile, elle est ici. Et ensuite, il faut une oblitération. Donc, je vais regarder dans mes tampons. Normalement, j'ai ça. Celle-ci, elle est grosse, cette oblitération. Est-ce que j'en ai une plus petite? Qu'est-ce que j'ai là? Non. J'ai pas. Là-dedans, j'ai quoi? J'ai pas. Bah, tant pis. On va utiliser celle-là. Un peu grosse, mais bon. J'ai pas petit. Du moins, je ne pense pas. Des étiquettes, non, je n'ai pas, donc j'ai que ça. Du coup, j'espère que ça va pas faire trop moche. Je vais pas le tamponner entièrement. Ils sont toujours durs à retirer. Ma plaque qui va bien. Vous voyez, je pense que je vais faire juste une partie de l'oblitération. Comme ça fera moins gros. Parce que sinon, j'ai peur que ça fasse trop gros et que ça gâche tout. Alors, du coup, je prends ça. J'ai envie de le faire en violet. Parce que je pense que c'est des couleurs que Maria aime bien. Je ne sais même pas si c'est de ce sens-là ou de ce sens-là. Bonne question. Alors, si je suis mon étiquette, c'est de ce sens-là. Hop, je viens tout simplement mettre de l'encre violette sur mon tampon que je vais positionner ici. Nickel. Une lingette. Alors, je connaissais pas du tout les tickets bonheur et j'en ai reçu que deux ou trois pour mon concours. J'en ai eu deux sûrs. Et bah, du coup, j'ai découvert ça et je trouve l'idée plutôt sympa à joindre avec une petite carte. Je trouve l'idée sympa. Hop, j'essuie tout de suite mon tampon, je le range et je me fais de la place parce que sinon, si je me laisse envahir, après vous verrez plus rien. Je range mes aquamarqueurs.
Ça, c'est pareil, je peux ranger. Enfin, je nettoie celui-là quand même beaucoup. Alors, vous voyez, pareil, je ne sais pas si vous connaissez l'astuce. Vous voyez, celui-ci, c'en est un que j'utilise souvent quand je fais mes albums. Et en fait, à force, il ne colle plus. En fait, il faut juste le nettoyer. Tout simplement. Bon, là, je le fais à la lingette, mais c'est mieux de le faire à l'eau savonneuse. Vous le nettoyez correctement. Et voilà, il recolle. Vous voyez? Il tient. Alors qu'il tenait plus. Du coup, on n'est pas là pour les astuces, on est là pour le ticket bonheur de Maria. Enfin, pour Maria. Alors, du coup, je vais prendre le côté le plus petit. Je vais trouver mon ticket ici. Je range ça tout de suite. Et ensuite, on va venir y faire une petite déco. Je sais pas si j'ai encore des petits papillons. J'ai pas fini de découper, lui va être trop gros. Qu'est-ce que je pourrais avoir de sympa? Ça j'aime beaucoup, mais j'ai pas fini de découper. Va falloir que je m'y remette. Je m'y étais mise pendant quelques temps là à me découper pour en avoir d'avance de fait. Mais voilà, je n'ai pas suivi plus que ça. Après là, j'ai des toutes petites fleurs. Est-ce que j'ai des petits papillons? Ça, c'est un papillon ou pas? Justement, il va pas vouloir se montrer. Ça en a bien la forme, mais je ne suis pas sûre. Non, c'est pas un papillon. Ah, j'aurais voulu un autre petit papillon. Et ben, j'en ai plus. J'en ai plus. Elle est peut-être un peu grosse, non? Non, allez, je la découpe vite fait. Hop, allez. Du coup, j'ai cette fleur que je vais mettre ici. Faut que je regarde où je vais mettre mon mot bonheur aussi. J'ai mis où? Mon mot bonheur, j'aurais peut-être pu l'ancrer avec mon encre violette que j'avais. Est-ce qu'il y a encore de l'encre là-dessus? Allez.
Alors pour ces impressions-là, j'ai pris du papier fin, mais je préfère quand même quand c'est sur du papier épais. Je voulais passer un peu mes papiers fins de chez Action. Parce que bah, du coup, j'utilise beaucoup les papiers épais, mais pas beaucoup les papiers fins. Bon, lui, on va voir où est-ce qu'on va le mettre après. On va y coller cette fleur. J'espère que j'oublie rien. Nouveau bonheur, oblitération, ciseaux plantés, un trou. Non, j'oublie rien. Ça va. Oui, parce que je me suis fait ma petite liste à côté. Parce que vu que c'est la première fois que j'en fais un, je me suis dit je vais bien oublier quelque chose en cours de route. Ensuite, le mot bonheur. Hop là. Te sauve pas. Le mot bonheur, j'ai envie de le mettre ici en biais. Et ensuite, tout simplement, je vais mettre des petits strass comme sur la carte. Que je me trompe pas, non, c'est cela que je veux. Hop. Et je viens, hop, tout simplement en mettre un peu partout. Pour rappeler la carte. Du rose. J'ai du mal à voir où est-ce que j'ai mis les points de colle. Un rose ici. Alors là, si Maria, tu n'aimes pas les strass, je suis dans le caca. Parce que là, je t'en ai collé partout. Voilà, ensuite, mettre ici. Je crois que j'ai un pâté de colle au bout qui m'embête. Voilà, c'est mieux quand même. Alors, on dit que la colle chaude fait des fils, mais en fait, celle-ci aussi. Mon pic qui va dans ma colle et mon aiguille, elle est tordue. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est dommage, j'ai pas un tout petit papillon. Manque un petit papillon. Ah, attendez, j'ai peut-être une perfo au final. Est-ce que j'ai une petite perfo? Ben oui. Ben oui, j'ai une petite perfo.
Est-ce que je vais pouvoir faire un petit papillon? J'ai un petit bout de papier comme ça, comme il y avait sur la carte. Eh ben, elle est solide celle-là. Oula, il est parti où? Il est là. Mais je vais l'avoir, mon petit papillon. C'est magnifique. Hop. Et donc, du coup, lui, je voudrais qu'il soit un petit peu en relief. Je vais le mettre où? Ici. Et ben voilà, ça y est, j'ai mon papillon. Comme quoi, des fois, faut pas aller chercher loin. Et voilà, mon ticket bonheur. Qui sera destiné à Maria et qui donc ira avec cette carte. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Alors, comme je vous ai dit, ce n'est pas de moi. C'est de Sylvie de la chaîne Colle Tout Partout qui a inventé ce ticket bonheur. Et je trouve l'idée vraiment sympa, vraiment jolie. Donc, je vous rappelle. Les dimensions, c'est 8,8 fois, enfin sur 3,3, pardon. Il faut qu'il y ait un petit trou, il faut qu'il y ait les deux bords ici qui soient découpés au ciseau cranté, ou je pense avec un daïs de bordure, hein, il faut que ce soit cranté. Ensuite, il faut l'oblitération et il faut qu'il y ait marqué le mot bonheur. Voilà, tout simplement. Après, vous le décorez comme vous le voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!